Hi Mina, c'est Kyuchan, et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Zelda Skyward Sword, et donc nous sommes toujours dans le temple de Firone, de la forêt, et il est temps d'aller ouvrir la porte du donjon, parce que techniquement j'ai récupéré en effet tous les coffres, il n'y a plus rien à récupérer, donc on va pouvoir se faire le boss du donjon. Alors, comme je l'avais déjà expliqué la dernière fois, oui tais-toi, voilà, ça c'était l'aide, c'est tout. Donc la clé ici fonctionne comme un puzzle en fait, et donc il va falloir trouver dans l'autre sens, ok. Il va falloir trouver la bonne position pour la mettre, comme ça, je l'ai. Voilà, ça n'a pas été trop long, tant mieux. Et donc nous allons pouvoir découvrir le premier boss de cette zone. Je vais d'ailleurs vite... Je vais effacer mon Tsuki parce qu'il y a une cinématique, ça je le sais. Maintenant comment il arrive vraiment au passage, hein, vu qu'il fallait la clé pour entrer. Tiens donc, regardez qui voilà. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Enfin, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille derrière cette porte qui projette une puissante aura. Oh, mais je ne me suis pas encore présentée. Quel malappris je fais parfois. Je suis Ghirahim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Je ne m'offusquerai pas si tu m'appelles Seigneur Ghirahim. Oh, tu oses te dresser en travers de ma route. Tu devrais plutôt t'incliner devant ma beauté. À l'heure qu'il est, la jeune fille devrait déjà être entre nos mains. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne. Imagines-tu un seul instant comment j'ai pu me sentir ? Furieux, enragé, d'humeur massacrante. La tournure que prennent les événements me donne des envies de meurtre. Oh. Mais il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de tuer un enfant comme toi. Non. Je vais me contenter de t'infliger les pires souffrances qu'aucun humain n'ait jamais endurées. J'adore ce personnage. Je sais pas pourquoi j'ai roulé les airs comme ça pour faire ça, son doublage, mais bon. Je me demandais pas pourquoi j'ai roulé les airs comme ça. Alors par contre, il est un peu chiant parce qu'il a toujours tendance à choper mon épée. Ça, c'est jamais évident de savoir quand l'attaquer en fait. Alors, je ne sais pas. Hein. J'ai jamais trouvé la technique. J'ai jamais trouvé la technique pour réussir à... Parce qu'en fait, le mec bouge sa main en même temps que mon épée, en fait. Donc... Je n'ai jamais vraiment trouvé de technique particulière pour réussir à le choper. Mais... T'es chiant! Sinon, je kiffe ce mec. Alors, il apparaît toujours derrière vous quand il disparaît. Hein. Bon. Alors, la technique de Ranguiner d'attaquer, ça marche pas non plus. Allez! C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire à la vidéo précédente, parce que je sais que ça aurait pris du temps. Encore une fois, je sais pas, j'ai jamais trouvé une technique particulière. Hein. Je sais pas si à un moment donné il se fatigue tout seul et que c'est entre guillemets scénarisé, mais pas l'impression. Ah mon épée! Ça m'est jamais arrivé ça, c'est bien une belle épée que tu as là, mais il suffit de faire ta posture pour l'arrêter d'une seule main. Alors par contre ça m'était jamais arrivé. Ah! Où elle est? Ouais, touche pas à mon épée! Ça m'était jamais arrivé que... Ça m'était jamais arrivé qu'il me la vole par contre. Bah, au moins comme ça vous l'aurez vu. Allez! Ça, tu l'as vu arriver? Tiens! Ok. Bon. Désolée pour ceux qui connaissent la technique, moi je la connais pas et pourtant j'ai joué souvent au jeu, hein, mais c'est une technique que j'ai jamais compris comment ça marche. Ah, l'épée. Ok, il est passé à côté de moi carrément. Merde, mais pourquoi t'as engainé? En fait, je me gourde de boutons pour sauter, en fait. Raté. Ah, putain! Wow, l'esquive. Merde. Là évidemment, je me suis fait avoir. Tais-toi, Feiyu, je suis occupée. Évidemment. Ok. Raté. Eh, mais après, ça fait 10 minutes pour l'avoir, n'empêche, hein, comme quoi. Oh oh, je vois que tu te débrouilles pas trop mal. Mais tu n'as pas encore vraiment de mérite. Tu ne le dois qu'à cette épée. Je suis là de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. Ok. Et voici un sublime réceptacle de cœur. Tais-toi, Feiyu. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour deux terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre et sa destination. Dans la contrée d'Ordine, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous la source de la terre. Portée par sa mission, la princesse du destin dans cette terre lointaine se mettra en chemin. Maître Link, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici se purifier. La probabilité qu'elle soit ensuite dirigée vers la source suivante sur la terre d'Ordine est de 97%. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. En effet, c'est une grande question. Selon mes estimations, si vous retournez à Célesbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à chercher Madame Zelda. Il devrait y avoir dans la forêt un dispositif permettant de regagner le ciel. Ouais, mais avant ça... Ah! Non! Mais non! Fallait pas sortir! Hé, le verre chez moi! T'as trouvé ton ami comme toi? Pas encore. Ah, mais au moins tu sais vers où elle est allée. J'ai retrouvé ton ami Tikui. J'ai grâce à toi le verre. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Ouais. Alors évidemment, le jeu m'a téléporté directement à la sortie, mais je vais retourner à la source. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc à faire. Et j'aurais préféré que... J'aurais préféré que le jeu ne me téléporte pas, mais bon, c'est obligatoire malheureusement, donc on va vite y retourner. Ah, c'est saleté. Allez! Mais tais-toi, Feiyu! Qu'est-ce que tu veux? Elle parle de mon bouclier. Elle va me parler de mon bouclier qui est capoute. Enfin, presque capoute. Oh! Ouais, pour là, je peux pas... Si, je peux plonger, je crois, techniquement. Comment on fait pour plonger encore? Techniquement, je crois que je peux pas encore plonger. Je crois que je peux pas encore plonger en fait. Fous-moi la paix, toi. Donc je vais vite y retourner. Ah, Ah, j'y pense, je viens d'y penser, mais j'ai oublié un quart de cœur, moi. Attendez. Ah, il est là. Bon, c'est vrai que je l'ai oublié, lui. C'est vrai que je l'ai oublié, lui, donc finalement, je fais bien de revenir. Par contre, comment on fait pour l'avoir encore? Je crois que techniquement, il y a un... Là-bas. Ah, direction assistée. Voilà, c'est ça. Bah finalement, j'avais deux raisons de venir. Allez, vite, 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 vite. Ouais, c'est bon. Ah bah finalement ça va, j'avais deux raisons de revenir. C'est vrai que je l'avais oublié, lui. Ok, alors ensuite. Alors encore un qui va m'emmerder. Allez! Bon. Allez! Eh mais sérieusement! C'est moi où ils sont devenus costauds, les moblins, pour ne plus tomber comme ça? En général, ils sont faciles à déstabiliser. Ici, j'ai l'impression qu'ils sont devenus costauds, quoi. Bon. Oui, bon, ça va, t'as pas nous faire la scène, y a plus de boss maintenant. Oui, Feiyu, je sais que mon bouclier est presque cassé. Donc pourquoi je suis revenue? Bah parce que derrière l'hôtel, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a ça. Ah, j'étais juste revenue pour ça. Mais pour le quart de cœur aussi. Nickel. Au passage, j'ai aussi des fées. Alors attendez. Effectivement, je crois qu'on peut juste, si je me rapproche tout doucement, pas besoin de filer à papillon, on peut les choper comme ça. Attendez. Non. C'est ça. Voilà. Comme ça, on a une petite fée en cas de besoin. En plus de la potion. Ok, on va retourner devant la salle du boss, on va se taper avec la statue, et puis on va pouvoir remonter dans le ciel. Techniquement, il n'y a plus rien à faire dans la forêt de Firone pour l'instant. Donc, on peut sortir et remonter dans le ciel. Et on va déjà être à 20 minutes, c'est dingue! Tu vas nous faire la scène à chaque fois? Allez, hop. Je veux sortir. Et nous allons donc remonter dans le ciel. Heureusement, Link appelle directement le Cestrier. Maître Link, je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé l'éclat céleste, les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Il y en a déjà deux au même endroit. L'endroit d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Bah, je propose qu'on aille les chercher. Je propose qu'on aille les chercher avant de faire la suite. Alors, attendez, la map. La map. Alors déjà, il y en a un derrière moi. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais bon. Si. Alors évidemment, j'ai mal visé, donc je l'ai pas mis sur l'île, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je vois où il est. Hop, donc voilà, ce sont ces coffres-là qui techniquement quand on n'a pas activé le cul de la déesse sont noirs, mais quand ils sont roses comme ça... Oh, un fragment de cœur! Nickel! Quand ils sont roses, bah rose violet, ça veut dire que c'est bon. Alors je vais enlever la truc, et le prochain se trouve sur l'île de la citrouille. C'est parfait, on pourra en profiter pour... Ah non, j'allais dire on pourra en profiter pour faire la quête du mec, mais non, parce que nos deux bocaux sont... Nos deux flacons sont pleins, donc ça va être compliqué. Allez, hop. J'aime beaucoup la carte du ciel de Skyward Sword. En fait, j'aime beaucoup le piaf déjà de base. Hein. D'ailleurs, vous savez que que Nintendo, pardon, s'est inspiré d'un oiseau qui existe vraiment. Hein. Alors par contre, je ne connais pas le nom de l'oiseau en question, mais c'est un oiseau qui existe réellement. Et ils se sont inspirés de lui pour créer justement ce... Bah, le Cestrier, quoi. Hop. Ça fait 2. Oula. Je me demande si c'est pas du gâchis. On peut avoir combien? Ah, 300. Ah, le gâchis! Quelle horreur, le gâchis! Ah, si j'avais su que c'était un rubis doré, je l'aurais pas pris, quoi. Alors techniquement le deuxième il doit être, je crois qu'il doit être quelque part autour. J'avoue que si j'avais su que c'était un rubis doré je l'aurais pas pris. Bon, espérons que c'est pas un rubis là-dedans mais bon. Ah génial, une sacoche en plus. Je vous avoue que je connais pas par cœur ce qu'il y a dans les coffres, qu'en même temps il y en a tellement. Nickel. Alors attendez, je vais juste regarder un truc. Zut. Ça s'arrête par quoi? Polypotion, je ne sais plus ce que ça fait. Ça restaure mon bouclier. Bah écoutez. On va l'utiliser comme ça on restaure le bouclier. Et tant qu'on est là, on va faire la quête du mec. Comme ça je vais rallonger un peu la vidéo. Oui, voilà, hop, voilà. Donne-moi la soupe. On va vite... Attends, il faut vite qu'on retourne à Célesbourg parce que la soupe va refroidir, sinon... Alors... On va essayer de prendre l'accélérateur qui est là. Et on va essayer d'atterrir le plus près possible de l'école. Parce que c'est à l'école qu'il est, hein, monsieur... Monsieur, je bois de la soupe. Normalement, on va pas atterrir là où je voulais, mais bon. Ah, quoique. Allez, vite. Salut Link, comment se porte l'entraînement? Oh, mais c'est la citrouille, ma préférée! Je t'ai demandé au patron de la citrouille perchée de m'en faire apporter. Oui. Oh, elle est bonne! Allez, donne vite! Donne! Ah, ah c'est un délice. Y a pas mieux qu'une soupe bien chaude pour vous requinquer. Une soupe de citrouille. En même temps, je suis pas fan de la citrouille de base. Hein. Merci bien, et remercie aussi patron de ma part. Ok, voilà. Donc lui, il vous donne rien. Tais-toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est ma bourse qui est pleine maintenant. Alors, quand c'est pas mon bouclier qui est capoute, c'est ma bourse qui est pleine. Ah, chiante. Je l'aime beaucoup, mais elle est chiante, ouais. Alors, par contre, je ne sais plus à quel moment apparaît la pierre à potin. Ou si elle va apparaître. Je sais que normalement, elle apparaissait, mais... Je ne sais plus quand. Ou alors, je confonds, mais... Vous savez quoi? Je vais aller vider un peu ma bourse, justement. On va aller voir pour acheter une nouvelle potion. Est-ce que je retourne à... Non, on va pas aller... on va pas retourner à la citrouille. Je vais appeler Terry pour voir un peu... Alors... Techniquement, il n'y en a que deux disponibles. Il n'y a que la verte et la polypotion disponible pour l'instant. Donc je vais prendre une polypotion. Ah, une protectine, pardon. 200 rubis. Non. Attendez, vous savez quoi? Je vais plutôt aller voir Terry, en fait, plutôt. Et je pense qu'après on s'arrêtera, je m'arrêterai avant d'aller mettre la stèle, parce que sinon il va y avoir une cinématique. Et puis comme ça on pourra enchaîner directement avec la suite. Ah mais merde, c'est pas grave. On va faire autrement alors. Mais lâche! Boink! Hey, plus bas! Plus bas, Link il est petit, plus bas! Voilà, merci! Le mec doit avoir des cuisses en béton armé, parce que vous allez voir pourquoi je dis ça. Voilà! Il alimente tout juste par la force de ses jambes, quoi. Un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extra ordinaire. La boutique de Terry, c'est une vraie caverne au trésor, alors prends un moment pour regarder. Ce serait dommage de repartir les mains vides, non? J'espère que je ne pas casser les oreilles avec ma voix. Alors déjà, le fier papillon, il m'intéresse, mais clairement... Oh, ça fait papillon, ça s'appelle un insecte. Il y en a beaucoup dans le coin, mais je suis sûre que ce sera utile ailleurs. Une super affaire. J'achète, ça contribue, j'achète complètement. Je vois qu'il y a une bourse de rubis au passage. Elle pourrait m'être utile aussi. Thank you! Alors ça, clairement, je crois qu'elle est carrément trop chère. Combien tu l'as fait? 300, ouais, bon, 300, désolé, mais j'ai plus assez maintenant. Et la bourse, tu l'as fait à combien? Je crois qu'il l'a fait à 200. Merde, j'ai pas vu. 100, je prends. Voilà. Comme ça, maintenant, on a une petite bourse en plus qui fait qu'on peut avoir 600 rubis. Voilà. Allez, je suis désolée, mais je te laisse. Au revoir! Ah oui, alors aussi, si jamais vous entrez dans la boutique Terry et que vous en sortez sans rien acheter, il vous éjecte par la trappe. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais me diriger vers une pierre de sauvegarde. Et on va s'arrêter là. Comme ça, je réserve la suite pour le passage suivant. J'irai pas faire la suite de la quête d'un truc à citrouille, on fera ça plus tard. Comme ça, on avance quand même un petit peu. Je me réserverai 1 ou 2, voire 3 vidéos pour les quêtes annexes, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!